Il faut dire qu'au-delà de l'intégration des hommes, il faudra désormais parler de celle des hommes et des serpents. Philippe Barbosa et David Sanou en sont les promoteurs. À Bobo Dioulasso, ces deux amis élèvent des boas et des pitons dans leur propre cour. Si l'activité est encadrée par les services de l'environnement, reste à savoir pourquoi le font-ils. Amadou Louguet est passé les voir. Voici son reportage. Il n'est pas rare de voir des bobolais élever des bœufs, des moutons ou des chevaux. Mais Philippe Barbosa, lui, mène un élevage d'un type particulier. Il élève des serpents, une passion pour lui et sa famille. Au début, le papa ne voulait pas. Mon premier serpent, je l'ai capturé, je l'ai caché pendant un mois avant qu'il ne le voie. Je sais que moi, à mon enfance, je prenais les serpents, je les formalisais dans une bouteille. Et puis après, bon, j'ai laissé tomber. Philippe possède dans sa ferme 5 serpents, des boas et des pitons. Le plus grand mesure plus de 2,5 m. Et le piton, il fait 2,96 m. Le bois, il mesure 1,20 m, 1,30 m. Le bois, c'est 2-3 ans. Le piton, il a plus de 6 ans. Il a plus de 6 ans, je l'ai capturé il y a 3 ans de cela. Philippe Barbosa n'est pas le seul éleveur de serpents dans la ville de Sia. David Sanou, un chasseur d'oiseaux, a aussi des serpents dans sa cour. J'élève seulement que les pitons. Puisque les pitons, c'est des serpents sacrés. Et à Bobo ici. Ouais. Comme la population ne connaît pas, il y a eu trop de populations. Les gens sont là à les tuer, sinon les pitons ne doivent pas se tuer à Bobo ici. Donc ce n'est pas des serpents venimeux, ce n'est pas des serpents nerveux, donc ce n'est pas des serpents qui vont te voir en cours de route même t'attaquer. Comme Philippe, le chasseur d'oiseaux affirme qu'il élève les serpents par plaisir et dans un but de protection de l'espèce. Ce n'est pas pour manger ni vendre. C'est seulement comme c'est des choses sacrées. Bon, je suis un chasseur. C'est la tradition chez moi. L'élevage de ces reptiles n'est pas sans danger, mais Philippe Barbosa et David Sanou le pratiquent légalement, encadrés par les techniciens de l'environnement. Un beau matin, on nous a interpellés par rapport à un truc comme ça qui était en circulation. Nous sommes allés, effectivement, avec l'appui de M. Barbosa qui était à côté de passage, à tout hasard, qui nous a aidé à le capturer. Depuis lors, on a fait la présentation. Et il s'est rendu compte qu'effectivement c'est un partenaire, depuis lors nous travaillons. Donc de ce point de vue, il faut dire que la collaboration va sur le plan technique et sur le plan appui à la protection des ressources faune. C'est des gens qui connaissent très bien le terrain. Lorsqu'il y a quand même un besoin, on ne tarde pas à les appeler. Mais attention, la pratique illégale de ce type d'élevage est interdite en ville et tout contrevenant s'expose à des sanctions. Tout comme les ressources forestières, c'est-à-dire le bois, le poisson, et ces espèces, c'est ce qu'on appelle la faune de façon générale. Quelqu'un qui fait l'élevage de façon clandestine de ses produits ou même l'exploitation de façon clandestine, il a une amende allant de l'emprisonnement à des paiements de taxes. C'est variable, ça dépend du degré de la faute et de la nature effectivement du produit. Ces éleveurs nourrissent leurs bêtes des rats, des souris et des lapins. Malgré les apparences, l'élevage du serpent reste une pratique dangereuse. La morsure de certaines espèces peut provoquer la mort.